Non, pas du tout. Là. Donc, merci pour votre présence. Vous êtes vraiment d'abord la bienvenue à Docteur André et une référence aujourd'hui. Merci pour cette initiative, merci pour organiser cet événement qui me touche aujourd'hui. Et l'événement s'appelle Hope Initiative. Hope Initiative, c'est l'espoir. Donc, l'espoir de vie. Bien content de l'entrée qui nous l'a. Donc, je n'ai pas besoin de prendre moi-même pour quelques secondes. Moi, c'est Ricardo Silas, qui m'occupe d'une société qui s'appelle Spice, au sein du groupe Axis. Et Spice, notre métier, c'est faire du leasing. Et qui dit leasing, dit mobilité. Mobilité comment? Donc, notre spécialité, c'est d'avoir un leasing pour un deux. Nous prenons deux journées, deux choses, une place. Donc, dans ce but, dans cet aspect du même contexte de mobilité, nous sommes approchés par le Global Rail Foundation pour justement être mobile comment? Différemment comment? Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui, mais à commencer aujourd'hui à dont le 14 sièges chaises blancs, une partie manuelle et une partie motorisée pour justement être plus mobile. Donc, c'est un début de quelques secondes de cela. Je crois que c'est le premier de beaucoup d'événements qu'on va organiser ensemble. Je crois que Spice va s'associer beaucoup plus avec le Global Rail Foundation pour aider au maximum qu'on peut à faire que tout le monde soit taken care of. Malheureusement, nous sommes dans la chambre, il n'y a pas de il n'y a pas de camarade venu aussi. Donc, justement, pour des raisons de mobilité, mais nous voici nous qui sommes bien le ciel roulant et que nous faisons une différence parmi et qui nous là pour eux, l'équipe de Spice est là aujourd'hui, là pour ces nous là pour eux. Et nous sommes toujours là dans le futur, nous travaillons ensemble pour faire que nous arrivions à faire le plus progresser. Donc, sans plus tarder, on va vous passer la parole. Je crois que le docteur Pascal n'a même pas besoin d'introduction. Je laisse la parole. Merci, Nicolas. Au nom de toutes les personnes qui sont venues là, qui sont en situation de handicap et qui nous organise cet événement-là. Nous sommes contents d'abord remercier M. Lucas Koutsidas et toute l'équipe des Spice. Et en particulier, on voudrait remercier mon bon camarade Daris de Maloutique Communication, qui fait bien sa lien entre nous. Et aujourd'hui, pour Global Rainbow Foundation, c'est un événement bien important pour nous. Parce que nous sommes capables, au moins avec une quinzaine de personnes, nous sommes capables de gagner notre dignité, d'abord, de gagner notre autonomie, et nous vous associer avec eux, de continuer notre vie, de vivre dans la meilleure condition, et réussir notre parcours à travers ces outils de mobilité qui nous permettent. Alors, personnellement, la Fondation Globale existait depuis 2011. Nous sommes le 11 novembre 2011, 11-11-11, on compte pas notre numéro, mais le 11, vous connaissez apparemment. Et cette année-ci, vous faites 11 ans, et il fait 4 fois 11 cette fois-ci. Hein? 11-11, il fait 4 fois 11, et vous pouvez faire ça même pendant là, mais très simple, tout le contexte. Hein? Et pendant depuis 2011, on accompagne beaucoup de monde. Là, nous faisons une sur la mobilité. Mais même qui dit bien amputé, au moins 2 000 de notre travail de mouillé par ça. Et il y a un symbole dans le bureau, l'atelier pour nous faire prothèse. Garçon qui fabrique prothèse aujourd'hui, l'âge 24 ans, il fait un accident, il coupe son pied là où il est. Il dit quoi, la vie finit. Il donne ni prothèse, il finit avec une prothèse, et puis je ne sais pas, même, il demande de nouveau la vie. Fais-moi, il y a une formation pour fabriquer prothèse. Aujourd'hui, il est chef technicien. L'équipe fabrique prothèse pour tout le monde qui l'a amputé.
Alors, on peut dire ça juste pour dire que pour nous, pour moi personnellement, mon équipe bien travaille en collaboration avec Darius et l'équipe de Spice. Vous êtes capable de montrer sa cérémonie. Là, on est bien content de venir ici pour nous. Parce que quand une compagnie fait de nous ceci et ça, nous sommes contents que ce soit un employé aussi. Je témoigne de ce qu'une compagnie peut faire avec l'argent CSA parce que c'est notre contribution. Et elle est là. Et ma personne qui reste moi aussi connaît que ça n'a que de nous. Vous pensez qu'il y a un bon temps pour nous une reconnaissance, non? Envers, pour moi, mon cousin dit que nous rôle là-dedans, nous facilitons ce travail. Mais le rôle du monde qui nous donne, ils vont devoir une volonté pour aider, pour accompagner. Et du monde qui fait à quoi? Daris, ici, il est content, parce qu'ils sont à quoi le marché, mais il y a là pour faire, et ça, c'est un de plaisir. Alors, à toute la famille qui est là, il y a d'autres qui pour nous, c'est bien important. Et hier, on fait un discours dans Rotary, Félix, encore, c'était le fonctionnaire de la mémoire. On fait une citation de Sergio Sagaramoula, une citation bien forte pour dire il y a des contents qui nous dédient sur la vie pour être le plus vulnérable. Parce que le plus vulnérable, c'est le enfant de Dieu. Voilà le mot qui nous sert. Children of God. Alors, même si un démon est un handicap, malheureusement, la société n'est pas tout le temps guérie comme ça. Hein. La société est un peu différemment, ça n'est pas bon. Mais aujourd'hui, nous cassons beaucoup ce malhibite-là. Hein. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a une personne qui a un handicap. Il y a une habilité, une capacité. Nous avons une habilité, pas une disabilité. Et nous-mêmes, à le plus loin, vous dire, dans disabilité, nous avons une 10 là. Si nous coupons 10 dans disabilité, nous aurons 6 habilités. Et là, on pense aux petites filles. Il y avait moi, grand-père de cœur, Jane Constance. Cette fille-là, depuis 10 ans, on m'a accompagné. Vous connaissez quoi qui est aujourd'hui là? Il y a beaucoup de difficultés, mon Dieu. Hein? On a même fait la prière spéciale pour lui. Et aujourd'hui, vous connaissez que Jane était. Hein, malgré tout, pas de choses qui nous gagnent, Jane peut faire ce degré dans la loi. Il fait LLM, l'Angleterre, l'Université UCLA. Donc là-bas, ils ont donné toutes les facilités que vous pensez, disait, pour un étudiant capable d'apprendre. Un étudiant avec, il passe son examen. Fondation, si un second year, il est terminé là. Il fait troisième année, après il fait son bar, il devient un avocat. Qui fait? Il a envie d'être un avocat pour défendre le droit de la personne en son nom. Alors, pourquoi nous sommes capables de nous engager pour être libres? Être maximum d'après comme être humain d'abord, dans le droit humain, le droit fondamental, le gain d'accès à l'éducation qui est fondamental. Ça, c'est notre bataille. On va voir dans le détail aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de travail pour le faire. Nous sommes capables de donner cette personne qui a le droit. Ça m'a amené là, qui l'a dit, hein? 19 ans. Right? Là, nous sommes adaptés. Et nous, quand nous donnons des gens, nous sommes contents de gagner des gens là-bas. Parce que si on ne gagne pas, nous ne connaissons pas qui était. Hein? Moi, j'en parle à son nom, nous ne connaissons pas qui est. Alors, nous comptons soit nous mettons tout, nous mettons soit nous mettons tout, si tu ne peux pas gagner. Ça aussi nous fait, hein? Je vais mettre quelques mots de photo d'aller là. Et moi, je vais accompagner maintenant. Et parfois, bon, c'est là que je vais adapter davantage. Si vous êtes la table, vous êtes la table devant, puis à moi, etc., je vais ajouter ça aussi. C'est l'équipe technicienne qui fait ça. Alors, voilà un petit peu la façon de nous procéder. Alors, donc, moi, je suis content de dire que chaque enfant qui est dans un handicap, ou personne qui est dans un handicap, il a son droit dans le pays. Par exemple, les autres. Donc, tu vas dire, où est-ce que enfant-là, si tu es un enfant normal? Et tu vas sur l'école, tu gagnes ce primaire gratis, ce secondaire gratis, ce université gratis. Mais quand il y a un handicap, vous avez une école privée. D'accord avec moi? Vous avez payé un handicap. Et il n'y a pas pour qu'il y ait aucune autre facilité. Ou même vous allez débrouiller pour donner. Mais les enfants qui ébranlent, ils gagnent tout. Ils gagnent meilleur volet, meilleur l'école, infrastructure, etc. Et ça, c'est Mme qui voulait casser le jardin. On peut dire ça parce que vous connaissez quand j'ai une université d'Angleterre, comme on a dit, moi qui n'ai pas une place d'université pour vivre dans cette condition, maintenant, quand on connaît les handicapés de l'athlète, et je mets un spécialiste pour l'athlète, qui occupe de disabilité, je me demande qui vous visez en compte pour apprendre convenablement.
Alors, peut-être ça peut nous réfléchir avec combien de temps on peut faire pour intégrer tout le bâtiment dans la société, parce que vous avez trouvé la même droit que les autres. Vous êtes capable d'égaliser les autres. Vous êtes capable de dire si vous appelez nous dans le jargon. Et le livre qui sont sorti, vous n'avez pas besoin de copier ici. I Rise. Je vais faire ma dernière copie. I Rise. C'est un livre qui nous publie tous les années. En 20, 20, 20 du monde là-dedans, personne en tout cas, handicap, qui nous accompagnait, nous mettait du sport émouvant. En 2021, nous avons 21, qui plein à 21. 2022, nous sommes sortis la fin d'année là. Et je vous propose qu'il se passe pour parler du guerre de mal, sponsor pour ce livre-là. Right? Parce que ce livre-là, il est vulgarisé à travers le reste et même à l'extérieur, pour montrer où, pas qu'il y ait du monde passe au handicap, qu'il y ait du monde capacité. Ce qui est capable de faire, et pourquoi disons personne qui a un handicap, parce qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Elle est une fille dans les vieux années, une fille dans l'Inde, née sans les bras. On peut suivre depuis 10 ans. Elle donne de la bourse au niveau de l'université. Il n'apprend pas, il y a une compétition internationale, il n'apprend pas, il fait tout avec son pied. Il fait un concours, faire vidéo, avec son pied, et il gagne un premier prix. Il est décoré par le président l'Inde. Alors, vous pouvez dire ça pour casser dans la tête. Pas qu'il y ait des gens avec son handicap, avec son capacité qu'il y a. Et nous accompagner aussi. Vous voyez, c'est maintenant, voilà, je ne suis pas de bonne zone. Je suis pour vivre dans le village. Vous permettez d'être meilleur. Et pour les parents aussi, hein, je vous ai pas oublié. S'il y a un petit monde qui a un handicap dans la famille, vous voyez combien de gens occupent? Papa, maman, frère, sœur. Minimum, vous avez un appel qui peut vous dire. Alors, nous devons comprendre comment la situation a été et nous devons faciliter ce que nous devons à ça. Alors voilà, pas le plus long que ça, mais nous voyons le dernier qui vient. Capable de faire des minutes devant. Vous Alors, pour faire un petit présenté avant de terminer, je tout connais si mes épices, carré par bon, pas vrai? Carrément, carré sans épices. Et là, voilà, la compagnie Spice devient agrément ce qu'il peut faire aujourd'hui en offrant ce même service, cette facilité-là, et à tous ces enfants, des enfants mondiaux. Et tout ce qu'on est capable de dire en terminant, merci encore une fois, grâce à toute l'équipe, la famille Spice, et à toute la famille qui recevait ça, bon, là, aujourd'hui, nous voulons un grand merci, la compagnie. Et vous dire aussi tout de suite, si jamais le 16, il y a une petite difficulté, nous avons l'équipe que tout bien spécialisée pour reparler. Si on vient adapter les cours de l'école, nous allons nous mettre de la table. Vous comprenez? Et vous gagnez un service après. Après que vous gagnez. Et dans les temps aussi, pour que vous soyez capable, vous en ferez capable. Et quand ils grandissent en 2014-16, elle avait cette classe. Alors ça aussi, et vous voyez l'autre affaire qui est important vous dire. Il y en a beaucoup de monde quand on est bien, du monde dans la famille, s'il tombe malade, il y a l'idée ou alors on a un carer. Ou bien un carer qualifié maintenant, il peut se faire possible. Et la Fondation Globale, avec une autre association, nous lance formation de carers. Comme ça, quand on recrute un petit monde, vous voyez, il y a une formation pour ramener un handicapé. On a ça, et en tout cas, sous la zone, et surtout sous la bonne famille. Voilà, moi, je suis content de ce petit message là. Et en même temps, M. Vitas, le fait que nous, ses parents sont dans l'Inde, moi aussi, mon grand-parent sont dans l'Inde. Alors, après 11 ans de service dans Maurice, avec Global Rainbow Foundation, mon équipe qui travaille, je le fais très bien, on a décidé cette année-là, pas de nous trouver dans l'Inde. On va à l'Inde parce qu'il y a ça que je veux, et là, on lance Global Rainbow Foundation dans l'Inde, donc on peut donner un petit coup de main pour servir à la personne qui est dans le handicap là-bas aussi. Voilà mon message, merci encore une fois et merci Spice et toute la staff qui est là. Bon, bien content qu'ils aient associé étroitement avec ça et maintenant aujourd'hui là. Maintenant, les autres différents types d'activités qu'ils sont capables de nous associer. Nous faisons un medical camp dans un endroit tous les mois une fois. Et je voulais l'équipe Spice qui nous a right? Pour un medical camp, pour que tout capable de mettre la main à la patte de notre main. Ça, c'est un autre service qu'on peut faire. Et nous sommes capables aussi, et ce qui est intéressant, ça m'a dit beaucoup de l'objet de Thierry, beaucoup pas qu'à la mer.
3 mois que la Wallonie savait que c'était l'avocat. Samedi prochain, là, Global Rainbow Foundation finit à mener depuis quelques années, après Covid, je ne sais pas. Samedi, nous voulons la place tomber. Quand on amène un mat spécial, pour le tir capable d'aller jusqu'à la mer, et là, la personne qui est un handicap, est capable de sauter dans de l'eau, nous avons un coach, un moteur de là, est capable de nager. Et là aussi, un CS flottant, un mobilité à maison. Un CS flottant, nous voulons le mettre dans une page Facebook. Nous sommes capables d'enjoyer la mer ici, parce que la mer, il fait ça, mais nous sommes capables d'enjoyer la mer. Ça aussi, nous nous lançons. Et nous m'amènons pas à tout que nous venons rester, nous sommes capables de s'y profiter. Voilà, merci.